Bonjour tout le monde, c'est Oro, bienvenue pour ce 9e épisode de Sims Animaux. Alors, histoire d'animaux, faut le préciser, là, parce que nous ne sommes pas dans l'extension. Alors, j'ai eu un petit souci, là, j'étais en train d'enregistrer, mais le FPS a descendu en chute libre à 1. Du coup, impossible de le faire fonctionner, le jeu, j'étais là... Bon, ça a l'air d'aller mieux, c'est plus stable en tout cas. On n'a pas encore abordé le chapitre 9, hein, on est juste entre les deux chapitres, entre le 8 et le 9, bien entendu. Donc je crois qu'on doit attendre un événement. Je sais pas lequel, mais il doit arriver. Oh, on redescend. 5 FPS, mais ça remonte. Ouh. Ça va être la bataille des FPS, là. Vous le dites tout de suite. Mais c'est bien, Sam, il s'améliore, le petit. Attendez, je vais changer de bonhomme. Oh là là là. C'est un génie. Ça va, il est pas idiot. Donc là, je suis à 38. Ok, on est à 38. On va essayer d'augmenter ça. Allez, on le dresse à fond. Je veux pas le savoir, on va jusqu'au 100 s'il le faut. Ouh. Je me demande qu'est-ce qui va se passer là après notre kidnapping et tout. C'est bon, arrête d'aboyer, je te dis. Alors, on va regarder, on est passé à combien? 68, c'est pas mal. Il a faim. Donc il a faim et moi mon bonhomme a... C'est qui ça? Barbara. Ok, je sais pas si je dois lui parler, peut-être que c'est ça. Allez, on te dresse le Sam. Oh. Vraiment désolé pour ces petits coups de lag. En même temps, c'est le PC portable, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais... Le jeu est censé être adapté dessus, mais là il est pas du tout adapté. Pourtant il est pas vieux le PC portable. Là, il est... Bon, c'est pas un non-plat de gaming, mais bon. Je veux dire, il y a quand même une Radeon HD 6370M 512 MB. Ça devrait passer quoi. C'est pas un jeu de fou non plus. Je comprends pas. Surtout que je fais passer genre Heroes of the Storm dessus, hein. C'est quand même plus poussé. Mais là, je pense que c'est parce que c'est dû aussi à la capture. Hein. Surtout que je suis obligé de passer par Fraps, alors du coup, bah, c'est un peu... Alors, on est passé à 88. Allez, on continue. Je pense que ça va être bon, là, avec tout ce que je lui ai mis. 92. Allez, et mon petit toutou. Voilà, 100. Enfin, en tout cas, j'espère que j'aurai pas de problème avec naufragé. Car oui, après la fin de ce let's play, il y a un deuxième acte, hein, mais je veux dire, je vais pas le faire tout de suite. Je vais passer par naufragé pour changer un peu de... Pour respirer une bouffée d'air fraîche, on va dire, sur la chaîne. Et du coup, je reviendrai après où je ferai par alternance. Je verrai ce que je fais, franchement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas, oui, il y aura bien naufragé en priorité. Et mon challenge survie, je ne sais pas s'il va continuer. Je sais qu'il y a encore 2 épisodes, mais je verrai bien si... Faut que je l'améliore. Voilà, faut que je l'améliore. Alors là, il mordit son petit jouet, le petit Sam. Par contre, Alice, là, tu laisses un peu trop les bouches envahir le domicile. C'est pas bien. Voilà. Ah bah c'est bien, tu nettoies tout. Ah. Est-ce qu'il reste des... Ah bah non. Il n'y a pas de croquettes. Allez hop. Voilà, il y a ses petits céréales, le petit Sam. Moi, s'il a faim, il est pas mal. On va aller faire notre petit pipi du soir avec un zeste de distraction, voyez-vous. Jeu FPS Buffering, la nouvelle série événement. Allez, stabilise-toi. On va compter. Hein? Qui c'est qui a pété? J'ai entendu un P là. C'est soit Alice, soit Sam. C'est un des deux, mais il y a quelqu'un qui a fait un. Qui a fait quelque chose d'illégal dans cette maison. Oh, on a rechuté. Donc je vais aller tout doucement, mes gens, parce que j'ai pas envie de faire planter le truc. C'est stable, mais si je vais un peu trop vite ou quoi, j'ai peur que. Voilà, ça.
Ça casse tout. Il avait faim, le petit Sam. Hop. C'est bon, je peux augmenter la vitesse. Vous avez vu la femme là qui passe? Je sais plus qui. Elle s'arrête, elle prend mon journal, elle le lit devant. Puis hop, elle repart en le reposant. Bon, ça va du moins. Elle est sympa parce qu'elle me l'a pas volé. Ah, il y a des gens, ils auraient pas réfléchi, ils me l'auraient embarqué. Allez, enfin, la distraction augmente, mais là, c'est la mouise pour le social. Là, Sam aussi, là, il va aller faire dodo. Je me demande si je dois pas nettoyer sa niche. Je vais tout doucement, tout doucement. Voilà, non, elle est propre, sa niche. Oui, Sam, allez, vas-y, fais-le, fais tout ce que tu veux. Non, mais je pense qu'il est en bon état, là. Voilà, vie sociale, petit besoin, voilà. Je pense qu'il bon, il ira le faire tout seul, il est assez grand. Il n'y a pas quelqu'un pour... Par contre, je trouve qu'ils sont longs à passer, les chapitres. Bon, en même temps, ça vous fait une petite vidéo plus longue, hein. En attendant, on a un petit préquel où on se détend, on fait rien. Mais là, oui, elle commence à avoir le... Comment dire ? La vie sociale au plus bas. Et comme il est 2h58 du matin, on est dans la mouise. Alors, on va prendre des petites céréales. Allez, mange Alice. Au pays des toutous. Voilà. Votre Sims essaie d'attirer votre attention car il s'ennuie et il a besoin d'activité sociale. Bah, je sais comment je vais l'augmenter avec Sam. On va geste d'affection, gratter le ventre. Voilà. On va lui donner une friandise. On va même jouer avec à rapporter. Ça va nous faire monter le social aussi. C'est vrai, regardez, ça augmente. Pas beaucoup, mais ça augmente. J'ai une vie très bien remplie, moi, avec mon chien. Voilà. Ah bah attendez, il faut que je rejoue avec. On va lui faire la fête. Ah, ça, c'est nickel. C'est même pour son bien à lui, hein. Sinon, je pense pas que le concours, on va faire quoi que ce soit. Ouh. Alors, refaire la fête. Et donc oui, comme vous savez, je fais des vidéos une par jour, mais ils sont différentes. Hein. C'est-à-dire que je vais pas vous mettre deux animaux, par exemple, dans la semaine. Ça pourrait arriver, je voulais le faire la semaine dernière, mais finalement, je me suis dit que j'allais la mettre pour le lundi. Mais voilà, je préfère faire ce concept pour la simple raison que non seulement ça ne fait pas trop, hein, car vous en avez déjà trop d'exemplaires. Ah, j'ai trop d'exemplaires. J'en ai qu'un. Bon, ben, je vais le jeter. Je crois que c'est parce que je les ai là, non? Bah non, je les ai pas là. Bon bah je sais pas, je comprends pas. Bah écoutez, c'est pas grave. Allez, on reprend. On reprend. Allez, enlève-moi la pause. Mais c'est vrai que voilà, je préfère faire ça. Au moins, je varie mon contenu aussi. Et c'est pour ça que je pense que... Je pense faire ça plutôt. C'est-à-dire, quand je vais attaquer l'acte 2, je ferai aussi naufragé. Donc ça fera par alternance, par la même occasion. Ouais, je pense faire ça. Ce sera peut-être... Ouais. Moi, ce sera mieux, ça variera. Donc, on va continuer un peu le tableau. Je sais pas quand le chapitre va démarrer, s'il décide à démarrer un jour. Ah, il est beau son tableau. Ah, j'aime bien. N'empêche, c'était plus long à faire les tableaux dans le Sims 2, hein, contrairement au Sims 4. Parce que là, maintenant, quand ils font un tableau, c'est comme si ils avaient la science infuse. Ils le faisaient comme ça, même sans compétences. Et au final, en 3 secondes chrono... Pardon, c'est fait. Fabien Yang. Je vais peut-être nettoyer, là, il y a encore des mouches. Bah, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas fait avec ça. Mais attendez, peut-être que c'est un entraînement qui a pas... Bah non, j'ai pas tout ça, les deux, là. J'ai pas ça. Mais non, j'ai pas. Je l'aurais su, mais là je l'ai pas. Attendez, je. Non, j'ai juste.
La pâte, mais tout y est déjà mis au final. Bon bah ça va se déclencher, j'espère. Ah, il se gagne un point de nettoyage, cool. Et ça frotte, frotte, frotte comme une éponge. Et ça frotte. C'est bon, j'arrête de chanter, j'arrête de chanter. Oh, bah non, on va pas aller en promenade. Mais non, mais c'est bon, j'arrête de chanter, c'est bon, j'ai dit que j'arrêtais. Ah, chapitre 9, le calme avant la tempête. Voilà Thomas, je dois lui parler. Ok, allons parler à Thomas. Elle est fortiche quand même parce qu'elle voit Thomas de son salon comme ça. Ah, voilà Thomas, je dois lui parler. Ok. Si tu veux, alors discuter avec Thomas. Ah, il rentre comme ça dans ma maison, lui, comme si c'était, je l'avais invité. Je l'ai pas invité, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il faut que je papote simplement. Même pas, il vient me dire bonjour. Ah, mais si, j'ai une télé! Après 9 épisodes, il découvre qu'il a une télé. Jabba le hâte. Non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, c'est, il est quand même malhonnête, hein, ce Thomas. Hein. Je veux pas dire, mais je crois qu'il a pris trop ses aises. Oh, il a un cadeau! C'est quoi? Thomas, je ne sais pas comment te remercier pour ce nouvel équipement d'entraînement. Je croyais que tu avais perdu ton travail. Disons juste que j'ai su y garder des contacts utiles. Bon, eh bien, je dois y aller. Ok. Alors, lui, il est fort sympathique, ce monsieur. Ah non, mais c'est vrai, moi franchement je le dis, il est fort sympathique ce monsieur parce que. Ah mais c'est ça en plus qu'il me donne. Non non mais franchement faut le faire. Il rentre comme ça chez moi, donc je l'aperçois à travers le mur, rayon X à la Superman. Il rentre comme ça dans mon salon, il s'installe dans mon canapé, il regarde la télé tranquillou, il me dit pas bonjour. Par contre je vais lui dire bonjour, hein, enfin voilà. Hein, on lui fait la bise. Il m'offre un cadeau puis il se barre. Ah lui, il est champion du monde. Allez, on va l'entraîner, Sam. Il repart sur l'entraînement. Kula Mata! Diana est ici! Je vais aller lui dire deux mots, tiens. Bah, finalement, l'entraînement sera pas pour maintenant. S'expliquer avec Diana. Voilà, on va aller s'expliquer. Pourquoi elle vient me re-re-embêter, elle, je ne sais pas. Elle a décidé de m'embêter, mais jusqu'à l'os. Vous présentez mes condoléances après l'enlèvement de votre pauvre petit bâtard. Quel drame atroce. Eh bien, Nana, je suis vraiment désolé. Ouais, attendez, ça va trop vite. En plus, je t'ai même pas contacté. Je suis vraiment désolé de vous décevoir, mais j'ai retrouvé ça. Mais je suis sûr que les responsables seront arrêtés d'ici peu. Ah, tiens. Eh bien, si vous réussissez à battre ma précieuse au championnat canin, je vous ferai don de ce taudis sans aucune contrepartie. Il ne s'agit pas d'argent de toute façon. Je n'ai jamais eu l'intention de vous le revendre. Vous savez que. Regardez. Vous savez, la conversation de fou. Hein. Je pense qu'ils doivent être avec une oreillette. Parce que là, regardez, elle est là. Et Diana, elle est là-bas, dans mon salon, en train de parler dans le vide. C'est assez énorme. Je me suis expliqué à cette distance. C'est trop cool. Moi, j'adore. Bon, c'est bon, elle peut se barrer maintenant. Ton Sam, il va lui croquer les fesses. Attaque! Attaque, Brutus! Si vous ne tenez pas ce monstre à l'écart, je vais être obligé d'appeler la police. Je crois qu'il est temps pour Diana de partir. Moi aussi, je crois qu'il est temps de partir, surtout après cette conversation buggée. Alors, demandez à Diana de partir. Mais déjà, demandez le départ. Qu'est-ce qu'elle vient faire chez moi? Sortez de chez moi! Eh bien, ça, par exemple, nous nous reverrons au concours. La phrase qui veut. Eh bien, ça, par exemple, nous nous reverrons au concours, cher ami. Quel poids, Sam. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bah, s'entraîner, pardi. Allez, on va aller s'entraîner, mon petit toutou. Tu n'as jamais eu besoin de talisman pour être un bon dresseur, Alice. Alors, il y a Will Smith, il redébarque de je sais pas où. Il sort ça comme ça. Alors qu'on s'est pas croisé. Ah non, mais je suis pété de rire, là. Excusez-moi, mais c'est compréhensible, c'est quand même. C'est quand même énorme. Alors je vais discuter avec Will Smith parce que là il. Ah lui au moins il prend le temps il prend le temps de sonner lui. Ah je l'aime bien lui. Ah sacré Will Smith. Ça y est, je l'ai déjà salué. Ah bah ouais. Ah je suis pété de rire. Ah non mais en même temps c'est compréhensible quoi. Allez on va pas le draguer, on va discuter, on va papoter. Ah mes oreilles. C'est quoi ce volume?
D'où venez-vous? Hein? D'où venez-vous, vous deux? Pas de questions triviales, Alice. Nous sommes ici pour t'aider à perfectionner ton dressage. Suis bien ce conseil. Tu n'as pas besoin de force. Tu as le talisman pour accomplir ta destinée. Ah non, ou de talisman, d'accord. Je veux faire les bêtises et puis voilà. Cela t'aidera à comprendre toute la dimension de la patte spirituelle. N'oublie pas tout cela. Et déjà, hein? Tout cela est déjà en toi. Je sais que tu en es capable. D'accord, Will Smith. Tu peux dire à ton chien d'arrêter de mâchouiller mon fauteuil, s'il te plaît? Quand te reverrai-je, pays merveilleux, je serai toujours avec toi. Une tasse à café me ferait le plus grand bien. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Faire du café pour Fleur. Est-ce que j'ai seulement un appareil pour faire du café, moi? J'ai cru que j'étais bugué. Ouais, bah attendez, moi je vais prendre un truc à café, mais il est où? Après 3 heures à être perdu dans le menu à trouver une cafetière, je viens enfin de la retrouver. Mais attendez, avant de... Pirée, mon donut. Plein de problèmes dans cet épisode, même mon nez se met à bugger. Bien entendu, vous entendrez pas cet éternuement de fou. Mais il vaut mieux pour vos oreilles. Alors, allez, ma petite Fleur, je vais te préparer ton café, t'inquiète pas. Je vais le préparer. Hein, on a besoin d'une bonne tasse à café, là, on en a vraiment besoin. Ah, elle peut pas maintenant. Alors, attends, je sais ce qu'on va faire. On peut pas le déplacer? Oh, Peregrine Took. Bah écoutez, je vais mettre ma cafetière, je ne sais pas où, moi. Par terre. Sur ma commode. Impossible de déplacer cela. Ah, nettoyer. Bon, on va nettoyer ça. Voilà, comme ça, moi, je peux prendre ça. Et ma cafetière, je peux la poser ici. Voilà, par contre, je pourrais plus faire de sandwich, mais c'est pas grave. Allez. J'aime bien discuter avec Fleur. On devrait passer un peu de temps ensemble pour rattraper le temps perdu. Alors, discute avec Fleur. En fait, c'est faire du café pour Fleur, mais au final, ça va être faire du café pour ma pomme et discuter avec Fleur, tout simplement. C'est ça, en fait. Ça y est, c'est fini. Jeanne a décidé. Ouh. Et ben voilà, je pense que le chapitre 9 est terminé. Sauvagement, mais il est terminé, mes gens. On va attendre la fin de la discussion. Voilà, on a rattrapé le temps perdu. Enfin, mes amis, c'est ici qu'on va se quitter. Alors moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Donc épisode encore une fois court, mais bon, on a eu le préquel entre les deux chapitres. Bah, ça annonce la couleur, elle est revenue. Notre animal n'a vraiment pas la tête pour ça pour le moment. Essayons d'abord d'améliorer son humeur. Ah bon, il a quoi, le petit Sam? Il a quoi? Ah, il a faim, ce bougre! Il a faim. Du coup, je vais remplir sa gamelle et puis je vais le laver. Hein, comme ça, ça fait un petit peu de contenu en plus, mes gens. Vous avez vu, je suis gentil, je vous offre une petite minute en plus. Voilà. Enfin, mes gens, c'est ici qu'on va se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager, à commenter, faire la fiesta avec. N'hésitez pas aussi à regarder les autres contenus, bien évidemment, puisqu'il y a du contenu. J'espère que cette fin de semaine se passera bien. Et je vous fais une petite bise sur le front cette fois-ci. Bye bye!